Voilà un petit exercice sur les nombres complexes. Il faut rechercher deux complexes, alors qu'auparavant, on recherchait qu'un seul complexe que j'appelais Z. Bon, si c'était assez simple, il n'y avait pas besoin de remplacer par X plus Y, J. Sinon, si c'était bon, un peu plus difficile à trouver, le complexe, je remplaçais par X plus Y, J. Pourquoi X et pourquoi Y? Parce qu'en fait, X et Y sont des inconnus. J'aurais pu les appeler A plus B, J, hein, A et B. Voilà. Les valeurs à trouver, c'était plutôt. J'aurais pu appeler ça A et B, mais j'ai appelé ça X, Y. Pourquoi? Parce que X, Y sont des inconnus. Voilà. Et on n'avait qu'un seul complexe. Par contre, ici, on a deux complexes, donc on a Z1, Z2. Rechercher Z1, Z2. Donc, il faut chercher deux complexes. Voilà. Auparavant, les calculs qu'on faisait avec Z, on recherchait Z. Ouais, on recherchait un nombre complexe Z, Z appartenant à C. Z était le fruit de soit d'addition, soit de multiplication, ou soit d'addition suivie de multiplication. C'est ça les exercices que j'avais fait concernant la recherche de Z. Par contre, ici, on a deux complexes à rechercher, Z1 et Z2. Ils sont multipliés par un complexe, par des complexes, hein, Z1 par 2 moins 3J et Z2 par J. Là, il est imaginaire pur. Là. Voilà. Et Z1 ici est multiplié par 1 plus J. Et Z2 est multiplié par moins 2 plus 5J. Et quand on a formé leur formation par multiplication, on les additionne pour avoir ici un complexe. Et ici, la formation de la multiplication à l'aide d'une addition, on obtient un nombre réel. Voilà. Et il faut chercher Z1, Z2. Voilà. Donc avant, auparavant, je recherchais qu'un seul complexe. Maintenant, je vais rechercher deux complexes, qui est Z1, Z2. Alors, la méthode la plus facile pour moi, ici, pour aller plus rapidement, c'est d'utiliser la méthode de Cramer. La méthode de Cramer nécessite de rechercher donc un déterminant d'une matrice 2 fois 2, parce qu'ici j'ai deux inconnus. Voilà, c'est une équation. Il y a deux équations à deux inconnus, mais c'est juste que c'est une équation complexe. Nécessite de rechercher Z1 et Z2, et que le Z1 recherché est le fruit de Z1 sur D et que Z2 est égal à Z2 sur D. Bon, et quel est ce déterminant Z1, Z2 à rechercher? Quel est ce déterminant D? Donc en fait, D, Z1, Z2 sont trois déterminants et on détermine Z1 par le rapport de deux déterminants et on détermine Z2 par le rapport de des déterminants. Donc le premier déterminant c'est Z1 sur Z2 et le second c'est Z2 sur Z1 et en faisant ça, logiquement, on devrait retrouver les inconnus Z1, Z2 qui est le rapport de Z1 sur D et Z2 sur D respectivement. Voilà, et que après il faudra bien sûr vérifier si ce qu'on a trouvé est bon. Ceci étant dit, bon, comment trouver le déterminant D? Le déterminant D provient tout simplement des coefficients de Z1, Z2. Z1, bon, provient des coefficients de Z1, Z2, mais ici, comme les coefficients, on recherchera les coefficients de Z1, donc là, on va remplacer par le terme indépendant. Voilà. Ici, comme on a le coefficient, on aura toujours Z1, Z2, mais comme on recherche le coefficient, enfin, comme on recherche Z2, eh bien, en Z2, on remplacera par le terme indépendant ici. Voilà, donc c'est ça qu'il faut placer. Bon, alors, le Z1, D, c'est le coefficient de Z1, c'est 2 moins 3J. Le coefficient de Z1 pour le suivant, l'équation suivante, c'est 1 plus j, 2 moins 3j et 1 plus j. Ici, on a j et moins 2 plus 5j pour z2. J et moins 2 plus 5j. Voilà. Ceci étant fait, je vais remettre tout simplement ici, il me faut les coefficients de z2. Je vais les reprendre ici. J et moins 2 plus 5j. Ici, les coefficients de z1, c'est-à-dire 2 moins 3j et 1 plus j. Voilà. Et ce qui est un terme indépendant, il faut le rechercher. Rappelez-vous que j'avais un complexe ici et un réel ici, 1 moins j et 3. Donc ici, je vais avoir 1 moins j et 3. Et là, 1 moins j et 3. Bon, calculons en calculant ceci. Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper, parce que si on se trompe, tout sera faux. Hein.
Il faut déjà bien disposer, je veux dire, les données comme je viens de le faire. Et puis, on va faire la multiplication. Et la multiplication doit bien se faire correctement. C'est-à-dire qu'ici, je prends un tableau complet pour faire ceci. Donc, c'est 2 moins 3j fois moins 2 plus 5j moins. C'est le produit des facteurs descendants moins le produit des facteurs montants. C'est-à-dire 2 moins 3j fois moins 2 plus 5j moins 1 plus j fois j. Moins 1 plus j fois j. Voilà. Calculons ça. Donc, ce qui fait 2 moins 3j. Sachez que je peux faire tout ça à la machine. Comment faire 2 moins 3j fois moins 2 plus 5j? Par la manière suivante. Bon. De manière manuelle, c'est facile, il suffit de distribuer parce que les complexes, l'ensemble des nombres complexes constitue, je veux dire, un espace vectoriel, donc il y a la distributivité, etc., qui peut agir facilement. Donc ici, comment dire? On peut distribuer facilement manuellement, donc c'est facile, hein, je vais le faire manuellement et puis je vais le faire par la machine. 2 fois moins 2, ce qui fait moins 4. 2 fois plus 5, ça fait plus 10j. Moins 3j fois moins 2 plus 6j. Moins 3j fois plus 5j, ce qui fait moins 15j carré. Et j carré vaut moins 1, ce qui fait plus 15. Alors, 15 moins 4, ce qui fait 11 plus 6j. Voyons voir. Voyons voir si. Alors, comment faire? Pour faire ça, je vous explique. Je vais vous montrer tout de suite à la machine, à l'aide d'une FX 50F plus. Voilà, je prends la machine. Je fais 2 moins 3J. Pour faire moins 2 moins 3J, il faut que je me mette en mode complexe. Pour mettre mode complexe, je vais juste dans mode, en appuyant juste sur le bouton mode et rien de plus. Il n'y a pas d'autre bouton shift à appuyer. Hein. Non. Vous appuyez directement sur mode. Là, apparaît un menu avec comp 1, 2, 3. Bon, vous prenez le menu numéro 2 qui est complexe. Donc, j'appuie sur 2. Voilà, apparaît, je veux dire, voilà, une indication comme quoi vous êtes en calcul en mode complexe. Alors maintenant, je peux calculer la multiplication ici. Je dois faire 2 moins 3. Alors, le i, vous faites juste shift et vous allez au-dessus de la notation engineer où il est indiqué i. Et voilà, et là, vous avez le i au-dessus de l'indication ENG. Voilà, multiplié par moins 2 plus moins 2. Plus 5 shift i. Voilà. Là, je calcule ceci. J'ai 11. 11, c'est bon. 11. Alors, j'ai 11. Et pour avoir ça, c'est la partie réelle. Mais pour avoir la partie imaginaire, je dois réappuyer sur shift exe. En faisant shift exe, parce que ici, au-dessus de exe, quand vous appuyez sur la touche shift, vous avez la possibilité d'être en réel ou en imaginaire. Si je repasse en. Ici, comment sait-on qu'il est en imaginaire? Il y a un petit i ici qui se cache. Là, et donc c'est CI ou CJ si vous voulez. Et alors, pour pas repasser en mode réel, je fais Shift Exe. Là, on a la partie réelle. Shift Exe, partie imaginaire. Shift réel, partie imaginaire. Et ainsi de suite. Donc, comment sait-on que c'est en partie imaginaire ou réelle? Mais suivant l'indication que vous avez ici, petit i. Si vous n'avez pas de petit i, vous êtes en réel. Voilà. Donc, ce qui fait 11 plus CJ. Voilà. Alors maintenant, à ceci, il faut extraire, il faut faire 1 plus j fois j. Donc 1 plus, parenthèse, hein, 1 plus j, ouais, je vais le faire d'abord manuellement. Une fois j, et j fois j, j carré, et j carré vaut moins 1. Donc on a j moins 1. Donc ce qui veut dire qu'on a j moins 1, c'est. 1 plus j, 1 plus shift i fois shift i, voilà ce qui fait moins 1 en réel, effectivement, et 1 i, donc ce qui fait j. Voilà. Et alors à ceci, il faut additionner hein, 11 moins moins 1, ce qui fait 12, moins moins 1, ça fait plus 1, ça fait 12, et il va rester cj moins j. Ce qui fait plus 15j. Donc, ici, on a trouvé que valait, je veux dire, la matrice D. Matrice D,
n'est tout autre que 12 plus 15j. Alors, cette matrice-là ne vaut rien d'autre que 12 plus 15j. Calculons la matrice Z1. C'est 1 moins J. Un moins j fois moins 2 plus 5 j moins j fois 3. 1 moins j fois moins 2 plus 5 j, voilà, produit des facteurs descendants moins le produit des facteurs montants. Facteur des produits montants, c'est 3 fois j. Donc c'est 1 moins j fois moins 2 plus 5 j moins 3 fois j. Et 3 fois j, ça fait 3 j. On va calculer ceci. Une fois moins 2, moins 2. Une fois plus 5j, plus 5j. Moins j fois moins 2, plus 2j. Moins j fois plus 5j, moins 5j carré. J carré valant moins 1, ce qui fait plus 5, plus 5, moins 3j. Ce qui fait 5 moins 2, 3. Et 5 plus 2, 7. 7 moins 3, plus 4j. Bon, voilà, la réponse est 3 plus 4j. Bon, on va vérifier à l'aide de la machine à calculer que je remets tout à 0. Voilà. 1 moins shift i multiplié par moins 2 plus 5 shift i. Et cette fois-ci, je vais directement calculer moins 3 i. Je vais faire un calcul complet. Voilà, et je calcule ce qui fait 3 en partie réelle et 4, donc ce qui fait 3 plus 4j, parce que et 4 en partie imaginaire, 3 plus 4j. Donc ça, ceci est bon. Donc je vais renoter ici Z1. En Z1, plus 4j. Voilà, en Z1. Maintenant, calculons en Z2. Bon, en Z2, la matrice Z2. Ça, c'est le déterminant de la matrice D, hein, qui est une valeur complexe. Déterminant de la matrice Z1. Calculons le déterminant de la matrice Z2. 2 moins 3. J. J'oublie J ici. Fois 3. 1 plus j, 1 moins j. Voilà. Donc, on va faire le produit des facteurs descendants. 2 moins 3j fois 3. Moins 3j fois 3 moins le produit des facteurs montants. 1 plus j fois 1 moins j. 1 plus j fois 1 moins j. Alors, ce qui fait 2 fois 3, 6, moins 9j, moins, là on a un produit remarquable, 1 plus j fois 1 moins j, ce qui fait 1 moins j carré. Donc, je fais 6 moins 9j, moins j carré vaut moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, ce qui fait plus 1, 1 plus 1, 2, ce qui fait 9 moins j, moins 2, ce qui fait 4 moins 9j. Voilà, on aurait 4 moins 9j. Bon, je vais le vérifier avant de l'inscrire. Alors, on va faire notre calcul. Parenthèse 2 moins 3 shift i. Je l'ai pas mis. Shift i, voilà. Multiplié par 3, tout ça, moins 1 plus shift i fois 1 moins shift, voilà, ferme parenthèse, et je fais exécuter. Donc j'ai bien 4 en partie réelle et en partie imaginaire, moins 9. Donc j'ai bien 4 moins 9j. Donc tout ceci, c'est bon. 4 moins 9j.
Donc, j'ai trouvé le déterminant de la matrice Z2 qui est 4 moins 9J. Z2 qui est 4 moins 9J. Voilà. Donc, tous les calculs sont bons. Donc, ce qui veut dire que Z1 provient. Z1, c'est 3. C'est Z1 sur D. 3 sur 4J divisé par 12 plus 15J. Voilà pour Z1. Et Z2, c'est 4 moins 9J, le tout sur 12 plus 15J. Voilà, donc ça, ce sont les solutions. Maintenant, ces solutions-là, il faut les vérifier. Faut les vérifier pour voir si on ne s'est pas trompé quelque part. Bon, au niveau des matrices, ça m'étonnerait que je me sois trompé. Donc, le problème, je vais aller rechercher l'équation numéro 1, c'est-à-dire 2 moins 3j. On va noter ça. Moins 3j fois z1 et z1 vaut 3 plus 4j, 12 plus 15j, 3 plus 4j, 12 plus 15j plus j fois z2, j fois Z2, et Z2 c'est 4 moins 9J sur 12 plus 15J. Alors, normalement, logiquement, on doit trouver 1 moins J. Logiquement, on devrait retrouver 1 moins J. Voyons voir. Alors, je vais directement faire la machine pour la vérification. 2 moins 3. Ouais, tout est au même dénominateur. Hein, c'est pas, ça ne constitue pas, je veux dire, 12 moins, plus 15j. Hein, c'est ceci. Plus. Bien sûr, ici, il y avait j. On a 12 plus 15j qui, si je me divise par 3, ce qui fait 4 plus 5j. 4 plus 5j. Donc je vais multiplier tout ça à la machine. Hein. Bon, donc on a 2 moins 3i. Delete. Delete. Je vais chercher le i. Shift. I fois parenthèse 3 plus 4 shift i. Fermez parenthèse plus Shift I fois 4 moins 9 Shift I. Fermez parenthèse et je calcule ce qui fait 27. 27 en numérateur. Voilà. Shift. Ceci. 27 plus 3i. 3, 4 plus 5j. Ouais, ici, c'est plutôt des J. Alors, 27, je peux sortir 3. 9 fois 3, 27. 27, plus, voilà, 9 fois 3, 27, plus 1 fois 3. Voilà. On a ceci. Voilà. Alors maintenant, si je fais 9 plus 1j, 9 plus i, 9 voilà, la division, qu'est-ce qu'elle me donne? Elle me donne 1 et moins 1, qui fait 1 moins j. J'ai fait la division, je veux dire, au niveau calcul automatique, hein, par calculatrice. Calcul automatique, parce que je vais vous le faire par... Maintenant que je sais bien que c'est bon, je peux le faire en manuel.
Donc, une fois j, c'est j, hein, sur 4 plus 5j. Maintenant, je vais faire la division en mode manuel. Il faut multiplier juste par le conjugué, qui est 4 moins 5j. Ce qui fait 9 fois 4, 36. Moins 9 fois 5, 3, 9 fois 4, 36. 36. Moins 9 fois 5, moins 45j, plus 4j, moins 5j carré, ce qui fait plus 5. Le tout divisé par 4 fois 4, 16. Et 5 fois 5, 25, ce qui fait, voilà, moins 25. 16 moins 25. Alors, 36 plus 4, ce qui fait 41. Seize moins 25, ce qui fait moins 9. Comment ça se fait que je ne trouve pas? Bon, je vais prendre un nouveau marqueur parce que c'est vrai que on voit rien. En tout cas, ça c'est la réponse, hein, puisque la machine à calculer me donnait. Je dois multiplier par le conjugué, ce qui fait 4 fois moins 5j, qui fait 16 moins 25. 16 moins 25, ça fait bien moins 9. 9 fois 4, 36. 9 fois 5, moins 45j, plus 4j, moins 5j carré, ce qui fait plus 5. 36 plus 5, ça fait bien 41. Moins 41. Comment ça se fait que j'ai un 41e qui apparaît? Pourtant, la machine me donne moins 1, 1. C'est bizarre ça. Il y a une erreur qui est celle au GC. La machine donne bon, hein. Ça donne bien la réponse. Que ça fait bien 1 moins J. Hein. Voilà, la machine me donne 1 moins J. Maintenant, comment ça se fait que je n'ai pas 1 moins J quand je multiplie par le conjugué? Conjugué. Bien, 4 plus 5J. Ouais, j'ai bien fait la division. On a bien moins 1i, ce qui fait moins j, et 1 en réel. On voit le petit i là-bas, donc c'est moins bien, moins j. C'est bon. Donc, la réponse là, elle est bonne, hein. Maintenant, pourquoi quand je multiplie par le conjugué, je n'ai pas 1 moins j? C'est qu'il y a une petite erreur de calcul. Là, je multiplie par le conjugué, ce qui fait 4 moins 5j. 9 fois 4, 9, 18, 27, 36, ouais. 36, moins 9 fois 5, moins 45j, plus 4j. Moins 5 j carré, ce qui fait plus 5. 36 plus 5 fait 41.
Bizarre ça, un facteur qui est perturbant, c'est moins 41 neuvième. D'où se vient ce 41 neuvième? Bon, je vais bien refaire le calcul, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est perturbant. Deux moins 3j fois z1. 3 plus 4j, le tout sur 12 plus 15j. Plus j fois z2, 4 moins 9j. Sur 12 plus 15j. Voilà. Alors, au dénominateur, si je fais tout le calcul de ceci, enfin, d'abord 2 moins 3j fois 3 plus 4j. 2 moins 3 shift i fois 3 3 plus 4 shift i. Voilà, 2 moins 3i fois 3. Voilà, je recommence le calcul, ça qui fait 18. Moins 3j fois z1, donc c'est bien 3 plus 4j sur 2. Voilà, ça c'est bon. Fois j fois 4 moins 9j, voilà, ça devrait être bon. Ce qui veut dire que 2 moins 3i fois 3 plus 4j donne en partie réelle 18 moins j. 18 moins j. Voyons voir 2 fois 3. 6, 2 fois 4, 8j, moins 3j fois 3, moins 9j, et moins 3j fois 4j, ce qui fait moins 12j carré, ce qui fait plus 12. Est-ce que 6 plus 12, ça fait bien 18? Oui. Et 8 moins 9, ça fait bien moins j. Donc c'est bon. Donc j'ai ceci sur 12 plus 15j. Plus et j fois 4, ce qui fait 4j, moins 9j fois j, ce qui fait moins 9j carré, ce qui fait plus 9. Sur 12 plus 15j, 12 plus 15j, ce qui fait 18 plus 4. Pardon. Ce qui fait 27. 27 et 4 moins 1 plus 3j. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai mis 3 en évidence. Si on se rappelle, j'avais mis 3 en évidence. Hein, j'avais mis... Donc ça fait 9, ça fait 3 fois 9 plus j. 9 plus j. Sur 12 plus 15j. Or, le 12, si je mets en évidence, je vais mettre 3. Ça fait 4 plus 5j.
3 fois 4, 12. 3 fois 5, 15. Donc, c'est juste. Voilà. Donc, et 9j divisé par 9. Je répète mon calcul. Et apparemment, 9 plus ça ferait 1 moins j. Donc, ce serait bon. 9. 9 plus shift i divisé par 4 plus 5 shift i me donne 1, c'est juste. Et en imaginaire, moins j. Donc la réponse est bien 1 moins j. Alors maintenant, pourquoi je n'obtiens pas ça en calcul? En calcul, c'est qu'il y a une petite erreur qui s'est logée quelque part. Pourquoi 9 plus j fois 4 plus 5j ne me donne pas 1 moins j quand je calcule? Ce n'est pas normal ça. Parce que je devrais. Je multiplie par le conjugué de 4 plus 5j. C'est bien 4 moins 5j. Donc là, je suis obligé de multiplier par 4 moins 5j. Alors, si je fais 9 plus j fois 4 moins 5 shift i, ce qui fait 41, ouais. 41, 41, 41. Ouais. Ce qui veut dire que ouais, j'ai trouvé la réponse en fait. C'est une question de bêtise. En fait, quand on fait 4 plus 5 fois 4 moins 5j, en fait, 4 plus 5 fois 4 moins 5, quand on a a moins b fois a plus b, mais ça fait a carré moins b carré. Ça, tout le monde le sait. On appelle produit remarquable. Mais maintenant, si vous avez des complexes, bien, là, vous avez 4 plus 5, ça va donner 4 plus 5j. Regardez, je vais vous faire le calcul entièrement. Vous allez tout comprendre, l'erreur d'où elle vient. Donc ici, on est d'accord que ça fait 30, ça fait 40. Je vais tout faire le calcul, hein, je vais tout refaire, parce que c'est vrai que ça nécessite, je dirais, une petite explication. 9 fois 4, ce qui fait 36. Moins 5. Moins 9 fois 5, 35, 45j, pardon. Si je commence à me tromper sur les multiplications, on s'en sortira plus. Hein. 9 fois 4, 36. Moins 9 fois 5, 45j. 4 fois j plus 4j. Et j fois moins 5j, ce qui fait moins 5j carré. Et moins 5j carré, ça fait plus 5. Donc on a 36 plus 5. Ça fait bien au numérateur 41, en nombre en réel. Et moins 45j plus 4, ce qui fait moins 41j. Voilà. Et au dénominateur, le dénominateur, le problème, il est là. Regardez. Quand je fais 4 fois 4, ce qui fait 16. Moins 4 fois 5, j, moins 20j. 5 fois j fois 4 plus 20j. Ça, c'est normal, ça tombe. Hein. Et là, le produit remarquable donnerait, normalement, je vous ai dit a moins b fois a plus b donnerait a carré moins b carré. Mais pour les complexes, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que ici, regardez, 5j fois moins 5j. Ouais, ça fait moins comme le produit remarquable. Mais 5 fois 5, ça fait bien 25. Mais j fois j fait j carré. Et j carré va prendre, ça va devenir l'opposé ici. C'est plus 25. Non plus 20. Voilà. Et 16 plus 25, ça fait bien 41. Donc, on doit tout diviser par 41. Donc, si je mets 41
en évidence, j'ai 1 moins j sur 41. Et là, j'ai bien une simplification qui donne 1 moins j. Voilà, donc en fait, la réponse est exacte. Donc, apparemment, Z1, Z2 que j'ai trouvé sont bons. Maintenant, je vais vérifier la seconde. Hein. Bon, il ne suffit pas de s'auto-satisfaire d'une seule. Je vais calculer pour la seconde. 1 plus J fois Z1. Alors, Z1, il faut aller chercher. Z1, c'est 3 plus 4J. 3 plus 4J sur 12 plus 15J. Voilà, plus. On va chercher l'équation. Équation, c'est moins 2 plus 5J. Fois Z2. Et Z2, c'est 4 moins 9J. 4 moins 9J sur 12 plus 15J. 4 moins 9J sur 12 plus 15J. Et on doit trouver, bien sûr, 3. La valeur de ceci doit valoir 3. Donc, ça doit valoir le réel 3. Mais si on a 3. De toute façon, je sais bien que Z1 et Z2 sont solutions parce que vérifie la première. Elle va sûrement vérifier la seconde facilement. Pourtant, je ne me trompe pas dans les calculs. Une fois 3, 3. Une fois 4J plus 4J plus 3J plus 4J carré, ce qui fait moins 4. Voilà, pour ceci, c'est fait. Bien sûr, ils ont un dénominateur commun qui est 12 plus 15J. Voilà. Moins 2 fois moins 4, ce qui fait moins 8. Moins 2 fois moins 9, ce qui fait plus 18J. Plus 5 fois 4, plus 20J. Et 5 fois 9, moins 45J carré, ce qui fait plus 45. Bon. Alors, 3 plus 4, 4 moins 4, ça tombe. Hein. Voilà. Et il va rester. Ouais, il va rester 3. 45 moins 3, 45 plus 3, 48, moins 8, ce qui fait 40. En nombre, voilà. Et en nombre complet, imaginaire, 3J, 18, 20, ça fait 38, 39, 40, 41. 41. 41J. Donc, 45, 48. Sur 12 plus 15. Voyons voir. Je vais déjà calculer si ça c'est vrai. Hein, si ça fait 40 plus 41J. On va le voir tout de suite. Donc si je fais 1 plus J. Parenthèse. 1 plus Shift I. Fois 3 plus 4 Shift I. Plus moins 2 plus 5 shift i, ferme parenthèse, multiplié par 4 moins 9 shift i. Voilà, je calcule. Ah, une syntaxe, une erreur de syntaxe. J'aurais dû parler. Bon, je vais recommencer. Donc, je vais aller étape par étape. Hein. Je vais étape par étape. On va aller étape par étape parce que sinon, je risque de faire des erreurs. Je vais d'abord faire 1 plus j, ce qui fait 1, une fois 3, 3, plus 4j, plus 3j, plus 12j carré, ce qui fait moins 12. Voilà. 3 moins 12, moins 9, plus 7j. Moins 9, plus 7j. Donc le produit ici donne moins 9, plus 7j. Voyons voir si c'est vrai. Shift, enfin, je vais d'abord mettre la parenthèse. Parenthèse 1 plus Shift I fois parenthèse 3 plus 4 Shift I fermé parenthèse, ce qui donne moins 1
moins 1 plus 7j. Donc, vous voyez, déjà ici, je me suis déjà trompé. C'est moins 1 plus 7j. La réponse est moins 1 plus 7j. Pourquoi? Une fois 3, 3. Une fois 4 plus 4j. Plus 3 fois j, ça fait 3j. On a bien notre 7j. Et là, ah ouais, c'est moins 4 parce que une fois j fois 4j, ça fait 4j carré. Et j carré vaut moins 1. Ce qui fait 3 moins 4 moins 3 moins 4, ça fait bien moins 1 plus 7j. Donc, c'est moins 1 plus 7j le premier. Moins 1 plus 7j. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, ici, moins 2 fois 4 moins 8 plus 18j plus 20j. Moins 45j carré, ce qui fait plus 45. Voilà, 45 moins 8. 45 moins 8. 32, 38. 38 et 18 plus 20 plus 38j. J'aurai 38 plus 38j. Bon, voyons voir ça tout de suite. On va vérifier la machine. Donc, shift, ben, je remets à 0. On. Parenthèse. Moins 2 plus 5 shift i, fermer parenthèse, fois, ouvrir parenthèse, 4 moins 9 shift i, voilà, fermer parenthèse, je ne sais pas si on voit. Hein. On voit, ouais, ok. Je calcule, ce qui fait 37, 38. Est-ce que 45 moins 8? Ouais, ça fait 37. C'est 37 et 38. Parce que 45 moins 8, ça ne fait pas 38. Hein. 45 moins 5, ça fait déjà 40. 40 et j'ai encore enlevé 3. Donc, ce qui fait 37 et pas 38. Alors, là, on est bon. Alors maintenant, 37 moins 1, ce qui fait 36. Et 7 plus 38. Ce qui fait, j'additionne 2, ça fait 40, plus 5, ça fait 45j. Le tout sur 12 plus 15j. Bon, je vais mettre en évidence qu'est-ce qui est le plus grand commun diviseur entre 36 et 45. Est-ce que c'est 3? C'est 9. 9 fois 4, 36. Et 9 fois 5, 45. Voilà. Et 12, plus grand diviseur commun entre 12 et 15, c'est 3. Il restait 4 plus 5j. Et là, on peut simplifier 4 plus 5j. 9 divisé par 3, ça fait bien 3. Donc, les solutions dans Z, voilà, les solutions sont bonnes, puisque je les ai vérifiées. Ça m'a pris beaucoup de temps pour la vérification, mais au moins, on est sûr et certain que la réponse, c'est ça. Donc, Z égale, enfin, plutôt l'ensemble des solutions dans Z, les soldes dans Z, hein, égale, ben, JZ1 qui vaut 3 plus 4J sur 12 plus 15J. Bon, ici, je peux me... Bon, je peux, voilà. Et la seconde, il n'y a que deux solutions. 4 moins 9j sur 12 plus 15j. Voilà. Et ça, ce sont les deux solutions à l'équation que je vous ai donnée. Il y a deux solutions à ça. Z1, soit Z1 et Z2. Là, que je pourrais écrire. Voilà, ça c'est Z1. Ça c'est Z2. C'est les solutions dans Z. Et ça, c'est les solutions de l'équation ici. Voilà, donc en fait, on l'a fait par une méthode par Cramer, mais le plus difficile là-dedans, c'est de la vérification, parce que ça demande du calcul. Il ne faut pas se tromper, bien qu'on joue avec des petits nombres, il ne faut pas se tromper malgré tout, parce que des petites erreurs de signe, des erreurs de calcul, 38 moins 7, et des choses comme ça. Bon, si vous vous trompez d'une unité, ben, c'est pas bon. Et si vous faites mal le produit, voilà, comment est-ce qu'on appelle ça? Que vous oubliez un moins, tel que quand je l'ai fait tout à l'heure, quand j'avais fait A plus BJ fois A moins BJ, c'est différent de A moins B fois A plus B. Parce que pourquoi? Parce que A moins B fois A plus B, ça donne quoi? Ça donne A carré moins B carré. Alors que là, ça va donner
a carré plus b carré, puisque j carré vaut moins 1. J carré. Et donc, moi, je m'étais basé sur ceci, sur la formule-là, avec un moins. Donc, fatalement, j'obtenais 9 moins 16, 9 moins 25, qui faisait moins 16, à la place que d'avoir 9 plus 25, qui faisait 41. On avait une simplification avec du 41 qui était au numérateur. Et ça, voilà, ça tout devenait plus limpide avec ceci. Donc, ici, voilà, c'est un produit remarquable, ok, mais un produit remarquable où le moins devient plus. Hein. Parce qu'on est dans les complexes, là. Dans les complexes. Il y a un j carré qui apparaît, j carré donne moins 1. Et moins 1, avec le moins là, le moins 1 va donner plus. Alors, pas confondre. Ouais, c'est deux produits remarquables, mais attention qu'il y en a un qui va donner un moins, l'autre va donner un plus. Attention à ça. Voilà, je vous remercie.